Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Des invités avec moi sur ce plateau pour tenter d'en parler. Je vous amène aujourd'hui à faire un focus sur les systèmes éducatifs en RDC. On va parler du ministère de l'EPST, enseignement primaire, secondaire et technique. Qu'est-ce qui existait là-bas? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Vous savez que ces derniers jours, ce ministère a fait parler de lui par rapport à l'affaire 16 millions de dollars, par rapport aux items d'examen d'État. Qu'est-ce qu'on doit dire autour de ça? On reviendra sur ces questions importantes et je donnerai la parole à mes invités dans le cadre d'un droit de réponse parce que le ministre de l'Intérieur a quand même... Qu'est-ce que je raconte? Le ministre de l'EPST a quand même été esquinté par rapport à certains propos que mes invités de la semaine passée ont tenus ici. Deux invités sont avec moi sur ce plateau. D'abord, à ma gauche, M. Alain Kipa. M. Kipa, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue à cette émission. Merci. Je rappelle que vous êtes conseiller au ministère de l'EPST. Donc, vous travaillez avec le ministre Tony Mwaba. Tout à fait. Bienvenue. Merci. Et puis, à ma gauche, à ma droite plutôt, Maître Yannick Ngandou. Maître, bonjour. Bonjour. Bienvenue également à vous. Merci. Vous aussi, vous êtes conseiller au cabinet de son Excellence, monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le professeur Tony Mwaba. Professeur Tony Mwaba, que nous saluons d'ailleurs au début de cette émission. C'est avec ces deux invités qu'on va donc tourner cette émission qui fera un grand focus sur le secteur de l'enseignement, les efforts qui sont fournis, ce que monsieur le ministre a déjà apporté. Bon, je commence à ma gauche. Monsieur Alain Kipa, avant que je n'entre dans ce qu'on peut considérer comme étant des polémiques qui naissent depuis un temps sur le ministère, Tony Mwaba est arrivé à ce ministère au gouvernement Warriors. Où est-ce que vous, quand vous arrivez, vous trouvez le ministère? Et en quelques 3-4 mois, qu'est-ce que vous avez déjà accompli à la tête de ce ministère-là? Je parle du ministre Tony Mwaba. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que quand le ministre prend la tête de ce grand ministère de l'EPST, il commence par faire des états des lieux pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça marche dans toutes les directions qui composent le ministère. Et au terme de ces diagnostics, si on peut l'appeler, il se lance sur plusieurs chantiers pour pouvoir relever les ministères. Par rapport au diagnostic, est-ce qu'il a trouvé un ministère debout avec ces méga programmes qui est la gratuité de l'enseignement? Est-ce qu'il a trouvé un ministère à genoux? Il a trouvé la situation par terre? Il a trouvé le ministère tel qu'il était et tel que tout le monde le connaît. Vous savez, on est en pleine réforme de la gratuité. Et il y avait beaucoup de choses qu'il fallait revoir, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait suivre. Et c'est comme ça que dans les diagnostics, ça a permis au ministre d'avoir une idée générale sur ce qui doit être fait et ce qui devait être fait, notamment d'abord dans le cadre de ces 100 premiers jours. Et avec ces diagnostics, ça lui a permis d'avoir une vision globale. La vision globale qui a permis notamment à lancer plusieurs réformes. Par exemple, vous savez qu'avec la gratuité de l'enseignement primaire, les écoles qui, jadis, fonctionnaient avec le frais de la contribution des parents sont obligées maintenant de fonctionner seulement avec le frais qui sont alloués par les gouvernements. Et le ministre a trouvé, et parmi les plaintes qu'il a pu rencontrer, a trouvé que ce frais était insignifiant pour pouvoir mieux faire fonctionner les écoles. Mais est-ce que, comme c'est des frais qui sont alloués par le gouvernement, il fallait attendre ou il fallait avancer? Avec les moyens disponibles au niveau du ministère, j'insiste, les moyens disponibles, il a pensé qu'il fallait augmenter le frais, d'abord de fonctionnement, à hauteur de 20,25%, avec les frais propres du ministère, avant qu'on regarde comment, avec le gouvernement, on peut aller un peu plus loin. Et ça a été fait sur l'étendue de toute la République, dans toutes les écoles publiques. Vous pouvez vérifier cela. Il y a des écoles, vous êtes journaliste, vous pouvez passer dans les écoles et on vous dira que
Ça, c'est une réalisation qui est faite déjà par rapport à, aux frais de fonctionnement. Et donc, il y a des écoles, si on prend la fourchette de 20,25%, il y a des écoles qui sont passées de 90 000 francs congolais comme frais de fonctionnement à 125 000 francs congolais. Ce n'est pas encore l'objectif qu'on veut atteindre. Parce que l'idée, c'est, avec la gratuité, c'est voir les écoles mieux fonctionner avec des moyens conséquents. Mais déjà, ce qui a été pu trouver au niveau du ministère avec l'opération de nettoyage des fichiers CCOP, ça a permis d'avoir des fonds qui pouvaient être utilisés à autre chose, mais on a pensé qu'il faut d'abord aller dans le sens d'augmenter tant soit peu les frais de fonctionnement. Et on s'est dit, la fameuse question de NU, le ministre a trouvé que c'était très important d'aller sur cette question-là. Les nouvelles unités. Les nouvelles unités, comme le fallait régler ces problèmes. Oui, il fallait commencer à trouver des solutions à ces problèmes. Et c'est comme ça que toutes les écoles maternelles publiques ont vu leur NU être prise en charge. À l'heure où nous parlons, oui, les enseignants des écoles maternelles publiques, vous voulez dire, sont dans les fichiers des payes de la République et commencent déjà à recevoir leur paye. En tout cas, tout cela a déjà été planifié et le paiement a commencé depuis le mois de juillet. Donc, c'est... Parce que là aussi, c'est quand même une épineuse question. Parce qu'à un moment donné, je reviens vers vous. Maître, on a dit que Tony Mwaba est passé pour un donneur de leçons, mais aussi pour quelqu'un qui promet mais qui ne réalise pas. Et ses détracteurs citent notamment le fait qu'il a promis de pouvoir mécaniser les enseignants de l'école maternelle et que ce n'est pas encore fait. Je suis surpris d'apprendre ici qu'on a déjà commencé à payer les enseignants des écoles maternelles au niveau public. Merci, monsieur Perrault. Déjà, je voulais préciser que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a hérité un ministère qui était dans l'abîme, hein, comme il a toujours dit, dans l'abîme profond, au point que pour le ressusciter, il fallait vraiment qu'il y ait un warrior. Hein. Donc, je ne pense pas que le choix porté par le chef de l'État à l'égard de son Excellence, le professeur Tony Mwaba, n'était pas une erreur. Aujourd'hui, vous parlez de nouvelles unités des écoles maternelles. Je vous rassure qu'ils sont payés. Tous les enseignants de l'école maternelle publique sont payés, mécanisés et payés. Vous pouvez aller vérifier. Vous êtes journaliste, allez-y, choisissez 2, 3, 4 écoles, même 1000 écoles. Allez-y vérifier, vous allez voir qu'ils vont vous certifier que tous les enseignants sont payés. Et sont payés quand? Au mois de juillet, pendant que le warrior Tony Mwaba était au pouvoir, était aux affaires. Donc, ce n'est donc pas une démagogie que de dire aujourd'hui... Mais où est-ce qu'il trouve l'argent? Parce que bon, attendez, il se pose quand même un problème. On sait que le budget de l'État est voté par l'Assemblée nationale, les salaires sont répertoriés sur place, il vient avec des promesses et vous dites qu'il est en train de réaliser ses promesses. Où on trouve de ressources pour aller à la rencontre de toutes ces promesses que le ministre a faites? Très bien. Quand il est venu, il a commencé par faire un état des lieux. C'est quelqu'un qui avait déjà une idée avancée de ses ministères. Donc il a commencé à travailler depuis qu'il était au Parlement, en fait. Parce que je rappelle ici que c'est un député qui a commencé déjà son travail bien avant qu'il ne soit ministre de l'Enseignement. On a commencé par le nettoyage des fichiers pays des enseignants. Rappelez-vous, on a décrié, on a crié, on a même démontré qu'il y avait des enseignants fictifs. Il y avait des écoles fictives. Il y avait des gens qui ne prestaient pas, qui n'existaient même pas. Nous allons consulter les fichiers pays. Vous voyez quelqu'un qui s'appellerait AAAAA, BBBBB, CBDDD. Comme si c'était un parti politique, ça veut dire donc des dédoublements qu'on a vécu au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. C'était scandaleux. C'est comme ça que le ministre Tony Mwaba, le professeur Tony Mwaba, a commencé d'abord par le nettoyage de fichiers. Quand on nettoie le fichier, c'est-à-dire on dégage des sommes qui étaient détournées par XY, et le ministre, au lieu d'ailleurs, parce que les gens parlent, ils spéculent et tout, il pouvait faire comme les autres. Mais il a pris cet argent, tout ce qu'on a eu à dégager comme somme, c'est comme ça qu'on l'utilise en interne. Ça veut dire, tout ce que nous faisons, tout ce qu'il pose comme acte, ce sont des ressources internes. On a nettoyé le fichier, donc on a dégagé un montant. De l'argent qui se dégage du nettoyage du fichier. Très bien. De l'argent qui se... Donc,
on n'a pas reçu un budget supplémentaire du gouvernement central. Donc tout ce qu'ils posent comme acte, comme action, ce sont des ressources internes. Suivant le travail de ce que je vous ai dit, le nettoyage de fichiers paye. Monsieur Alain, je vous remets la parole. Vous étiez en train d'égrener d'une certaine manière les grands chantiers que M. Mouaba a mis en place. Maître vient de nous expliquer que le ministère était dans l'abîme. Vous parlez de la gratuité de l'enseignement, vous parlez aussi de la paye des nouvelles unités et des enseignants à l'école maternelle, mais ça ne s'arrête pas là. Le chantier sur place est quand même vaste. Oui, justement, le chantier est vaste. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de 70 000 enseignants qui ont atteint l'âge de la retraite. Donc, dont l'âge varie entre 65 et 106 ans, qui ne sont pas partis en retraite depuis plus de 35 ans. Et à l'avènement des professeurs, il a pris les problèmes à cœur. Vous avez suivi dans les médias qu'on a lancé l'opération de retraiter les enseignants qui sont éligibles. Et cette opération, je peux encore dire, est prise en charge par le résultat du nettoyage du fichier CECOP. Ce n'est pas encore le gouvernement central qui prend ça, mais tout ce qui est qu'on dégage au niveau du nettoyage des fichiers, permet aujourd'hui d'envoyer au moins 1500 enseignants par mois qui doivent aller en retraite. Et l'avantage de cette opération, c'est quoi? C'est qu'en envoyant les personnes en retraite, on récupère des postes par rapport aux nouvelles unités. Ça permet de résoudre le problème des nouvelles unités, mais aussi de la qualité de l'enseignement. Vous allez dans les coins et recoins, même ici à Kinshasa, vous trouvez un enseignant qui a 70 ans, 80 ans, qui enseigne encore, parce qu'il ne peut pas aller en retraite. Et ça impacte sur la qualité de l'enseignement. Et on a trouvé que avec les ressources propres, trimestriellement, si on prend une moyenne de 1500 par mois, ça fait presque 4500 qu'on envoie trimestriellement. Et ça va permettre de résoudre cette fameuse question de NU. Dans la durée, certainement. Mais il fallait commencer quelque part. Et je rappelle vraiment que ça fait plus de 35 ans qu'aucun enseignant n'est parti en retraite. Ça, c'est des actions qui se posent au niveau du ministère, que le ministre Tony pose, sans trop faire du bruit. Mais peut-être qu'il faut être sorcier pour ne pas l'accepter. Moi, je vous prie de rendre visite un peu aux familles du premier groupe de retraités. Posez un peu la question à ses parents. Vous allez voir un peu ce qu'ils vont vous dire, ce qu'ils ressentent après avoir rendu service pendant plus de 50 ans à la nation, mais qu'aujourd'hui on décide d'aller en retraite. Ça, c'est des choses qui sont palpables, qui sont visibles, et vous pouvez aller vérifier au niveau du CECOP, aller vérifier partout où ces opérations se passent, vous allez vous rendre compte que c'est bon. Je voudrais revenir sur la question des frais de fonctionnement. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce que nous appelons au niveau de l'EPST, les écoles d'excellence. Nous avons dit qu'on a augmenté de 20 à 20,25% les frais de fonctionnement, mais aussi on a pris en compte ces écoles qu'on appelle des écoles d'excellence qui ont produit des personnes valables à la nation. Vous pouvez vous en connaître un peu plus à travers la ville et à travers la République. Et ces écoles qui bénéficiaient de 2 millions de francs, congolais, comme frais de fonctionnement, sont passés à 2 450 000 francs. C'est encore une goutte d'eau, mais qui permet quand même de donner un peu de soulagement aux écoles. L'idéal, c'est d'aller un peu plus loin. Et on pense que avec cette deuxième opération de nettoyage du fichier, que Monsieur le ministre veut encore lancer, ça va permettre encore davantage de dégager des ressources qui permettront à ce que les écoles fonctionnent normalement, en attendant aussi que les gouvernements centraux prennent aussi en compte, et comme ça s'est fait déjà, prennent en compte cet aspect-là, et pour qu'on puisse voir ces écoles, en tout cas, bien fonctionner. Je pouvais aussi encore parler d'un dossier que Son Excellence vient d'initier tout récemment, c'est-à-dire la prime des bourses. Vous savez que les enseignants qui sont à l'intérieur du pays n'ont pas les mêmes salaires que ceux qui sont dans la ville. Et M. le ministre a initié ça, il a dit, cette prime des bourses qui était déjà promise devrait être matérialisée.
Aujourd'hui, après le travail qui a été fait au niveau du ministère, le dossier a été amené au Conseil des ministres et le dossier est adopté aujourd'hui au Conseil des ministres. Donc, nous sommes certains que dans les jours qui viennent, cette prime de bourse va être payée. Donc, je pense qu'il y a sans ces petits efforts qui sont fournis par les ministres. Et je sais que vous reviendrez aussi sur la fameuse question des écoles à désactiver. Si, je reviendrai là-dessus. Maître Yannick, j'ai entendu M. Alain parler de retraite. Là aussi, ça fait polémique. Comment le ministre de l'enseignement primaire secondaire décide d'envoyer en retraite les enseignants qui sont répertoriés sur le fichier des fonctionnaires de l'État sans l'accord du ministre ayant à charge? J'ai vu quelqu'un sur ce plateau attaquer Tony Mouaba en disant qu'il l'a fait de manière solitaire et ça créait des frustrations au sein du gouvernement au point que le ministre Liaou Jean-Pierre ça n'est plein. Et aussi, comment on peut envoyer quelqu'un en retraite, quelqu'un qui a fait 35 ans, en lui donnant un congélateur avec 300 000 ou 400 000 francs congolais tel que ça se raconte dans les réseaux sociaux? Je parle de la forme et je parle du fond. Est-ce que cet enseignant que vous envoyez parce que vous lui avez donné un congélateur de 300 $ ne mérite-t-il pas de rester pour avoir son salaire plutôt que de bénéficier de ces congélateurs que le ministre lui donne? D'abord, les gens sont de mauvaise foi parce qu'ils interprètent mal les choses. Le ministre, ce qu'il a fait, c'est un acte de générosité par rapport à ce qu'il a vécu d'abord en entrant en fonction. Regardez, ce que le ministre fait, c'est ce qu'on appelle prime de fin de carrière. Ça n'a rien à voir avec ce que vous racontez parce que tous ces gens-là seront mis à la disposition de la fonction publique. C'est la fonction publique qui payera en réalité la retraite. Non, mais ce qu'il fait, l'action que Mouaba lance, il les lance sans le ministre et tutelle de la fonction publique. C'est ça la polémique qui naît de cette affaire. Non. Ça a été validé par le Conseil de ministres d'abord. Ça, c'est une précision de taille. Ça a été validé par le Conseil de ministres. Et le ministre ne peut pas, c'est vrai, les gens étaient là, ils ont travaillé. Alain vous a dit que nous avons des enseignants qui ont fait plus de 50 ans. 50 ans, vous les mettez à la disposition de la fonction publique comme ça. Le ministre a voulu d'abord les encourager, le remercier par rapport à ce qu'ils ont fait comme travail dans ces secteurs. Avec un congélateur et une petite enveloppe, si c'est des 300 000, c'est des 400 000. Non. On lui dit, c'est plein déjà, c'est retraité. Allez-y sur terrain, posez la question, on vous dira. Posez la question à ces différentes familles-là. On va vous dire comment est-ce qu'ils ont accueilli l'initiative de son Excellence. On vous dira. Et ces gens-là ne sont pas remerciés par un congélateur et l'enveloppe que vous êtes en train d'évoquer. Non. La caisse, d'abord, ils seront pris en charge par le service rente. Et ensuite, il y a la fonction publique qui s'en chargera du reste. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas écartés du ministère par un congélateur ou par cette enveloppe d'encouragement, non. C'est parce que les gens n'ont pas d'informations et ils ne veulent pas descendre sur le terrain pour poser des questions et voir comment est-ce que ces différentes familles ont accueilli la chose. C'est ça le problème. Il faudra plus voir l'initiative, la bonne foi de la personne que de critiquer alors qu'on n'a aucune information. Aujourd'hui, tout ce que le ministre fait, je vous ai dit tantôt que ce sont des ressources internes. On n'a même pas demandé ailleurs. Pourtant, cet argent, on pouvait l'orienter à autre chose. Mais on s'est dit, parce que c'est de l'argent qui était détourné jadis, maintenant là, il faudra que ça soit utilisé par les enseignants qui en ont... Regardez aujourd'hui la vie. Prenez un échantillon de 10-15 enseignants, vous allez voir comment est-ce que ces gens-là mènent leur vie. Aujourd'hui, c'est déplorable. C'est grâce à son Excellence que nous sommes en train. C'est vrai, nous sommes au début. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait, on doit se frotter les mains. Non, mais le chemin est encore long. Mais encourageons et félicitons les initiatives déjà que nous sommes en train de faire et produire en termes de résultats. Monsieur Alain, vous qui avez évoqué la retraite, là, il y a polémique. Maître nous dit que ce n'est qu'une prime d'encouragement, mais on nous rapporte qu'il y a beaucoup de bruit, des mécontentements dans les chefs des gens qui vont en retraite, parce que la somme qu'on leur remet est tellement insignifiante. On se cache derrière les caméras, beaucoup de caméras. Bon, je vous donnerai la parole dans le cadre des réponses. Je suis en train de relayer les critiques qui ont été tenues sur mon plateau. Et un congélateur au point où les retraités eux-mêmes se plaignent.
Oui, M. Pierrot, vous avez eu la chance au moins de rencontrer un ou deux retraités pour écouter ce qu'eux-mêmes pensent de l'opération. Non, je ne pense pas encore. Donc, je crois que ce que vous pouvez faire, c'est de rencontrer, ramener votre caméra auprès des retraités, poser-leur la question. Alors, il y a une chose qu'on doit savoir. Qu'est-ce que la loi dit pour que les gens partent en retraite? On dit qu'il faut leur donner 13 mois de leur dernier salaire. Combien gagne un enseignant? Et si vous regardez ce que gagne un enseignant, multiplié par 13 mois, ce n'est même pas la moitié de ce qu'on a proposé à ceux qui sont partis en retraite. En fait, je pense que les gens sont de mauvaise foi. Et c'est là que moi, j'appelle toujours au professionnalisme de nos journalistes. Ce que vous pouvez investiguer vous-même, allez poser la question aux enseignants, ceux qui sont partis en retraite. Qu'est-ce qu'ils ont réussi? Si vous prenez 13 mois de leur dernier salaire, par rapport à ceux qu'ils ont réussi, vous allez voir qu'on est allé au-delà. Non, je ne voulais pas donner le mot. Je préfère que ce soit un retraité qui vous donne la réponse. Mais connaissant le dossier, je sais ce que je suis en train de dire. Donc, je crois qu'il y a eu beaucoup de qu'on efforts. A juste tenu moi d'avoir donné des congélateurs et des 300 000 francs congolais, ça oui, c'est de la méchanceté. Oui, non, je ne veux pas accuser des gens de méchants. Je pense que c'est de la mauvaise foi. Et l'erreur un peu chez nous, c'est que les gens viennent sur le plateau sans chiffres, sans avoir vérifié. Parce tout simplement, peut-être que c'est la personne de Tony Mwamba qui ne plaît pas à certaines personnes, ou peut-être ce sont les réalisations de Tony Mwamba qui gênent. Ah, pourquoi, c'est pourquoi on s'est permis de dire n'importe quoi. Mais sinon, ce que moi je sais, c'est qu'il y a des efforts qui sont fournis dans ce sens-là. Et cette action de mise en retraite des anciens ne s'arrêtera pas. Elle est lancée, elle va continuer, et jusqu'à ce qu'on aille là où on va arriver. Mais l'idée, c'est vraiment de répondre à deux soucis. Premièrement, la qualité de l'enseignement. Plus on est vieux, moins on est performant. Et aussi, il y a la fameuse question de NU. Nous n'allons pas nécessairement attendre la Banque mondiale ou je ne sais pas quoi, quel partenaire, pour venir résoudre ces problèmes. Imaginez si aujourd'hui, chaque mois, on met en retraite 1500 enseignants, on récupère 1500 autres. Sur la liste des pays. Après une année, combien allons-nous récupérer? Vous voyez que nous allons résoudre tant soit peu cette fameuse question de NU. Vous voyez? Donc, je pense que c'est vraiment de la mauvaise foi. Et les gens qui viennent parler doivent s'informer. Ils doivent aller sur le terrain. C'est simple. On connaît où on a lancé l'opération de la mise en retraite. On connaît où il y a des images. On connaît où on peut trouver ces retraités. Posez-leur la question, ils vont vous dire. Et il y a d'autres qui doivent suivre le processus avec la chaîne de dépenses, tout ça, d'autres démarches. Ils sont bel et bien en cours. Donc je pense que là, vraiment, moi, je peux vous rassurer que tout ce qui se raconte, heureusement que c'est des on-dits, ce n'est pas la réalité. Je pense qu'il y a un effort qui est fourni dans ce sens-là. Et le ministère est sur la bonne démarche. Je pense qu'il y a un leadership fort qui est là. On sent qu'il y a une volonté de pouvoir faire changer les choses. Mais c'est vrai que les changements, parfois, ça gêne. Je prends le cas de... Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a tendance à dire, ah, si vous demandez à quelqu'un, je vais travailler à l'EPST, tout le monde voit les CCOP. Tout le monde veut aller au CCOP. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est là qu'il y a l'argent. Mais aujourd'hui, cet argent-là sert à résoudre le problème cruciaux de l'EPST, notamment la pérennisation de la gratuité. Je veux revenir sur quelque chose qui a été dit sur votre plateau, ici, l'organisation du TENAFEP. On va en parler. Oui. On va en parler. Parce que si vous m'amenez sur le terrain de TENAFEP, oui. On va parler des 16 millions. Oui, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un tabou. On va en parler. Ce n'est pas un tabou. Mais je voudrais. Je vais vous dire. De l'expérience qu'on a un peu de travailler dans le secteur de l'éducation, les tenants faibles examens d'État ont été pris en charge par les parents. Mais cette année, les parents n'ont déboursé aucun franc pour les tenants faibles. Mais si vous faites un tour à l'inspection, voyez le travail qui s'est fait pour produire les items, produire tous les outils et les envoyer dans les 58 provinces éducationnelles, c'est un coût. Mais cette année, les enfants qui ont fait les tenants faibles n'ont déboursé aucun sou, excepté les écoles privées.
Donc, il y a des efforts qui sont faits. Et ça, ça rentre dans le sens de pouvoir soutenir la gratuité, pérenniser la gratuité. Parce que on pense que l'école primaire, tout est gratuit dans les établissements publics et tout est réellement gratuit. Ok. Voilà. Parlons-en justement de cette affaire. Ouais. Maître, on ouvre des questions polémiques. J'avais dit ici que j'ouvrirais les champs par rapport au bilan et par rapport au chantier. J'avais deux personnes sur ce plateau ici qui sont des journalistes. Là, il y avait Dédé Amouli et ici, il y avait Roland Isso qui ont soulevé des griefs contre le ministre Tony Mwawa. Parmi ces griefs, on parle notamment de l'épineuse question des 16 millions de dollars américains qui divisent aujourd'hui M. Tony Mwawa et son ministère, mais aussi M. Alinghetti et l'inspection générale des finances. Comment expliquez-vous que le ministre puisse exiger 16 millions de dollars américains pour payer les surveillants du TENAFEP, alors que les années passées, l'État ne déboursait pas plus de 10 millions de dollars américains? Pourquoi cet arrondissement, cet agrandissement de l'enveloppe des TENAFEP seulement quand Mwawa arrive au pouvoir? D'abord, merci, parce que vous nous donnez quand même l'occasion d'éclaircir l'opinion par rapport à cette question de 6 millions, 16 millions. Nous avons suivi, c'est que votre ami, je ne sais pas, ami intime, collègue et confrère, a balancé comme information, je ne sais pas où est-ce qu'il a eu cette information, alors que... Il a cité M. Djamba qui est en prison. L'année écoulée, il dit que Djamba a organisé les TENAFEP avec 6 millions de dollars américains. Est-ce qu'on a payé ces 6 millions? On n'a jamais payé les 6 millions de dollars par rapport au TENAFEP. Qu'il aille s'informer, il est journaliste, je crois. Qu'il aille s'informer. On n'a jamais payé. On n'a jamais payé, on n'a jamais déboursé de l'argent en termes des TENAFEP. Non, on n'a jamais déboursé de l'argent. Ça, c'est des F. Des deux. Ils ont parlé de 6 millions. Mais attention, d'abord, les budgets de ces 6 millions-là étaient concentrés à un seul jour, une seule journée, alors que le TENAFEP nous prend deux jours. Vous voyez? Alors, les 6 millions-là, ils l'ont élaboré en fonction d'un seul jour. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, n'oubliez pas que dans le temps, jadis, les TENAFEP, il y avait une part que le parent donnait en termes d'argent et aussi l'État. N'oubliez pas ça, c'est une nuance. Donc, quand il parle de 6 millions, un, c'était pour un seul jour, deux, le parent participait. Mais quand le ministre Tony arrive, il fait appliquer la loi. Donc, la gratuité de l'enseignement doit être totale sur tout le plan. C'est comme ça que, d'abord, les parents n'ont rien donné, même pas 50 francs, allez-y vérifier. On a des enfants dans... Les parents n'ont rien donné pour le TENAFEP. Et ensuite, on a tenu compte, non seulement des deux jours, le TENAFEP nous prend deux jours. La troisième de chose, ou la troisième précision, c'est que, vous savez, avec la gratuité de l'enseignement, il y a les effets induits de la gratuité. Ça veut dire on a plus d'enfants, parce que la gratuité a donné accès à tout le monde, à tous les enfants. Ce qui fait qu'on a augmenté le nombre des centres et les élèves aussi. Il y a eu une augmentation, en même temps les intervenants. Parce que là où on avait 4 centres, quand la gratuité est devenue effective, nous quittons de 4 centres, par exemple, à 8 centres ou à 12 centres. Cela veut dire qu'il faudra augmenter, multiplier le nombre des centres par le nombre des intervenants. Là où on avait 10 intervenants, désormais, quand on a plus de centres, on doit avoir aussi beaucoup d'intervenants. Donc, c'est ce qui fait que quand vous calculez, vous allez voir que le ministre, les budgets élaborés, c'est vraiment sérieusement moindre. Et encore que les budgets sont élaborés par les services centraux ou provinciaux. Ce sont des provinces éducationnelles qui élaborent les budgets et ça remonte. C'est pas le ministre. Ce n'est pas au niveau national. Mais chaque province élabore le budget en fonction ou en tenant compte de réalité. Monsieur Alain, ouais. Si Tony Mwawa n'a rien à voir avec cet argent, s'il n'y a pas l'idée de détournement dans cet argent, ceux qui étaient ici la semaine passée se posent la question,
Pourquoi refuse-t-il que l'argent soit mis dans des comptes des surveillants? Parce qu'il semble qu'il a signé un arrêté où on dit que ce sont les enseignants qui vont surveiller les TENAFEP. Or, les enseignants sont payés par voie bancaire. Pourquoi il veut quitter de la voie bancaire vers les Maboko Bank? Il y a certainement idée d'un détournement et d'un profit que quelqu'un veut avoir par rapport à ces 16 millions. Oui, merci. Je voudrais encore apporter une précision par rapport à ça. Déjà, comme Maître Yannick l'a dit, le budget des évaluations certificatives n'est pas élaboré au niveau du ministère. C'est l'inspection générale qui, avec les inspections provinciales, qui élabore les budgets. Alors, eux, ils font des budgets dans... Nous avons 58 provinces éducationnelles et ils remontent ce budget au niveau national. Alors, le ministre n'intervient même pas à ce niveau-là. Alors, par rapport aux fameux 16 millions, déjà, je voudrais dire ceci. C'est que tous les enseignants, une précision que je donne, tous les enseignants ne sont pas payés à la banque. Vous connaissez Caritas? Caritas continue à payer les enseignants dans les coins les plus reculés. Où il n'y a pas de banque. Où il n'y a pas de banque. Donc, déjà là, ça pose un problème. Mais ce qui est vrai, c'est que le ministre ne s'oppose pas à la banque. Mais il y a la réalité. Moi, je viens d'être à Zongo, dans la province du Sud-Ubangi. Au fond, à la frontière La République centrafricaine. Il n'y a pas de banque là-bas. Bon, les centres vont même au-delà, les centres des examens vont même au-delà des 100 km de cette petite ville-là. Bon, maintenant, vous allez demander à la personne qui est là d'ouvrir un compte, de venir ouvrir un compte à Gemena. Donc, il devra parcourir plus de 400 km pour venir ouvrir un compte et y recevoir 40 000 francs congolais avec les frais bancaires qui vont être retenus. Mais la personne là est payée chaque jour. Non, il est payé. Il y a un système, un circuit par lequel il est payé. Oui, s'il vous plaît. Pourquoi ne pas emprunter ce circuit-là? Pourquoi Mouaba veut mettre un autre circuit pour les 16 millions? Ok. Déjà, avec la Caritas, se pose un problème. À l'arrivée du ministre, on a analysé cette question même de la paye. Vous allez entendre là-bas, on a braqué les agents de paie. Il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas tous leur salaire. Parce que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Moi, je pense que la bancarisation n'apporte pas seulement des solutions, mais aussi des problèmes. Parce que maintenant, ceux qui sont à Kinshasa, on peut le payer. On va mettre l'argent à la banque avec tout ce que ça va avoir comme conséquence. Et ceux qui sont au fin fond là. Vous voyez, quand on vient surveiller l'examen d'État, c'est un peu comme quelqu'un qui est journalier, il n'a pas un contrat. Il a fait son travail, vous le donnez. Mais c'est un enseignant, non? Oui, je suis d'accord, mais il y a des enseignants jusqu'aujourd'hui. Il y a des arrêtés où on dit que c'était les enseignants qui devaient faire la surveillance. Est-ce que vous avez déjà vérifié combien de quel est le taux en pourcentage des enseignants qui sont payés à la banque? Vous avez des statistiques? Pourquoi Caritas continue à partir avec des avions dans les coins les plus reculés pour payer les enseignants? Parce que la bancarisation n'a pas résolu tout le problème de la paie des enseignants. Ça, il faut être de la mauvaise foi pour ne pas le connaître. Ou peut-être qu'on ne connaît pas la RDC pour dire ça, pour affirmer pareille chose. Je vous ai donné un cas moi-même où je viens de vivre, où ces gens-là, où il n'y a aucune banque. Mais vous allez les payer comment? Donc tu vas mettre l'argent à Guébert, tu vas demander à quelqu'un de se déplacer 400 km pour aller prendre 40 000 francs. Et même ici, on va peut-être trop loin, même ici au niveau de la ville, c'est pas évident que cet argent, on le paye plus facilement par la banque. Mais le problème, si on l'avait résolu complètement avec la bancarisation des enseignants et que Caritas n'existait plus, je pense qu'on aurait... Donc vous justifiez la veuve de 16 millions? Alors que ses prédécesseurs utilisaient moins de 10 millions de dollars. Non. En fait, ce qui frappe les gens, c'est 16 millions. C'est beaucoup d'argent. Non, je vais vous dire une chose. Ce qui frappe les gens, c'est 16 millions. Il y a une chose qu'il faut savoir. Que déjà, le ministre a demandé à ce que même pour l'année passée, que ceux qui ont travaillé pour les TENAFEP soient payés. Ça, on ne le dit pas. On ne dit pas ça. Les surveillants de l'année... Ils n'ont pas été payés. Donc ils seront payés dans les 16 millions là. Ah oui. Mais le problème c'est que vous regardez 16 millions. Moi je voudrais vraiment, vous comme journaliste d'investigation, que vous fassiez un peu un tour à l'inspection générale. Même aujourd'hui ou demain. Allez voir comment les gens travaillent en chaîne, nuit et jour.
Et ce travail ne se fait pas qu'à Kinshasa, sur les 58 provinces du Kassolo. Aujourd'hui, les listes de tous les intervenants pour tes affaires, pour les examens d'état sont prêtes. Vous pouvez passer à l'inspection, consulter et faites le calcul vous-même. Vous verrez le montant, combien coûte l'organisation de tes affaires pour bien des examens d'état. Les listes là, elles sont là. Vous pouvez aller les vérifier. C'est des listes qui sont là parce qu'elles sont revenues de toutes les provinces éducationnelles. Maintenant, elles sont là. Allez vérifier, vous allez voir. C'est-à-dire, quand les gens regardent le coût, ils se disent, ah voilà, c'est beaucoup d'argent, ils vont s'enrichir. Et encore, s'il faut revenir sur la fameuse question du détournement, moi, je ne suis pas juriste, je crois que maître est mieux placé. L'argent qui n'est même pas arrivé entre les mains de quelqu'un, vous dites qu'il veut détourner. Je pense que là aussi, c'est de la mauvaise foi. Nous devons plutôt encourager les bonnes actions qui aident les pays à avancer. Et non chercher la bête noire dans des petites choses qui ne tiennent pas debout. Aujourd'hui, je pense que le ministère est sur une bonne voie et on pense que... Le ministère n'est pas perdu comme... on dit que c'est depuis que Makonga est parti, le ministère est en l'air. Hein? Bon, en fait, on évite un peu de parler des personnes, mais on préfère plus parler des actions qui se font. Parce que chacun a sa façon de voir les choses. Mais nous pensons que nous autres, ce qui nous intéresse, ce qui nous préoccupe, c'est que les gens comprennent qu'il y a de petits pas qui font que le ministère bouge, que le ministère avance. Ok. Avant de poursuivre et de donner la parole, je voudrais quand même lire un communiqué que j'ai ici. Le communiqué, je l'ai dit à la télévision, le communiqué m'a été envoyé par les services du ministre Willy Makonga et le service m'a demandé de lire ce communiqué. En quelques lignes, on dit que le service de communication de l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Makonga, a suivi avec intérêt une émission dans laquelle deux journalistes étaient passés sur votre chaîne. Willy Makonga étant un homme très pacifique qui n'a aucun avis ou un jugement ou encore un commentaire à faire par rapport au travail de son frère Excellence Tony Mwaba, il prend ainsi ses distances par rapport aux propos qui ont été tenus par ces deux journalistes sur votre plateau. Willy Makonga tient à informer l'opinion publique internationale qu'il n'est impliqué ni de près ni de loin à la prestation de ces deux journalistes et que ce n'est pas lui qui leur a demandé de passer sur vos chaînes. Le communiqué est signé par le service des communications de l'ancien ministre Willy Makonga. Donc là, je suis en train de les lire à la télévision parce qu'il m'a été demandé de recadrer les choses. Donc la semaine passée, j'avais reçu sur mon plateau, pas la semaine passée, avant-hier, M. Rola Isso et M. Dédé Amouli, comme journalistes, ils ont tenu des propos en comparant la gestion de M. Willy Makonga, qui pour eux était saine, alors que Tony Mwaba qui est là est en train de s'embrouiller. Willy Makonga et ses services tiennent à préciser qu'ils ne sont impliqués ni de près ni de loin aux propos qui ont été tenus ici sur ce plateau par ces deux confrères. Ils prennent leur distance par rapport à ça et ils m'ont même dit de dire à la télévision que Willy Makonga apporte tout son soutien à son frère Tony Mwaba, qui est donc actuel ministre. Donc ça devait être dit à la télévision. Alors maître, un autre problème sur le ministère de l'enseignement, c'est le problème des Véridos. Vous en êtes où? Willy Makonga, qu'est-ce que j'ai dit? Je cite Willy Makonga. Tony Mwaba nous a dit qu'il a bloqué l'affaire Véridos parce que c'est l'IGF. Là aussi, vous êtes quand même le conseiller du ministre. On n'a pas vu un homme d'État s'exprimer après cette affaire-là. On a vraiment vu quelqu'un qui a laissé parler ses humeurs, ses sentiments lorsqu'il évoquait la question avec l'IGF. Il a appelé les gens. On n'a pas vu un homme respecter sa stature de ministre. Mais il nous a dit qu'il ne signerait pas les dossiers Véridos. C'est deux jours, quelques jours après, on le voit revenir et signer ces dossiers-là. Qu'en est-il exactement? Voilà, je voulais préciser une chose par rapport à ces fameux 16 millions de dollars-là. Alain a très bien expliqué le chose, mais je voulais préciser une chose. Quand vous dites qu'il faudra qu'on verse cet argent dans les différentes banques et tout ça, alors que en ce qui concerne les TENAFEP, il n'y a pas que d'enseignants. On parle d'intervenants. Attention, tous les intervenants n'ont pas de compte en banque. Et encore que c'est une prime ponctuelle. Donc ça veut dire, il y a le service de l'ANR. Vous n'allez pas demander aux agents de l'ANR d'aller ouvrir un compte pour recevoir, une somme de 40 ou 50 ou 70 000 francs congolais. Qui prendra en charge le frais bancaire?
Et puis quand on va revenir pour dire non, mais 16 millions, ça sera moins, il faudra encore réajuster parce que là, il faudra tenir compte de frais bancaires. Donc, les intervenants, il y a une différence entre intervenants et enseignants. On peut accepter que les enseignants ont des comptes bancaires. Alors, d'autres catégories de personnes qui interviennent dans ces différentes prestations. Donc, c'est un faux débat. Donc, d'ailleurs, ça a toujours été ainsi, payé comme ça. Allez-y interroger ceux-là dont vous avez cité le nom, ils vont vous dire. On n'a jamais bancarisé. Oui, le ministre n'est pas contre cela, mais le problème, c'est que les temps qui nous restaient, c'est ça le problème. On était à 6 jours des épreuves. Vous demandez à tout ce monde-là d'aller dans les différentes banques ouvrir, et encore qu'on n'a pas de banque partout, vous voyez que ça allait déjà créer un problème. Dossier Veridos. Je crois que ce sont des affaires de l'État. Quand quelqu'un la forme vient, que votre ministre a donnée à sa communication. Quand quelqu'un reconnaissez-le qu'on n'a pas eu affaire à un homme d'État là. Non. Un homme d'État se comporte comment? Il était en face des syndicalistes qui étaient venus pour s'imprégner de la situation. Ce n'était pas une histoire organisée. Il était dans son bureau en train de travailler. Les gens sont venus. Et il voulait savoir qu'est-ce qui était, c'était quoi au juste. Et il est sorti, il a expliqué les choses. Alors, vous dites qu'il ne s'était pas comporté un homme d'État? Quand il explique les affaires de l'État de façon claire et nette, vous dites qu'il ne s'est pas conformé ou... Non, mais je crois qu'à un certain moment, il ne faudra pas qu'on cherche transformer la couleur blanche en noir. Non, je ne pense pas. Dossier Veridos. Le ministre a bien expliqué, a bien précisé. Le contrat a été mal conçu. Il a dit que l'IGF lui a demandé de signer. Les ministres ne pouvaient pas valider un tel contrat. Il a dit parce que l'enseignement est gratuit et ça doit être sur... Imaginez un peu, je prends un exemple. On demande aux élèves de payer 5 euros pour obtenir une carte d'élève. Alors, je crois que si le ministre avait validé ces contrats-là, je crois que ça allait être... Perrault allait être la première personne à nous dire non, mais pourquoi vous avez fait ça, l'enseignement et tout ça, gratuité, tout ça. Vous commencez à faire des... Vous voyez, le ministre a dit non, l'enseignement doit être gratuit et sur tout le plan. C'est comme ça qu'il a demandé que ce contrat-là soit retravaillé en tenant compte de ses dispositions, en tenant compte de la nouvelle vision qu'il a amenée. Vous voyez, c'est comme ça qu'il a d'abord refusé la signature, le contrat a été retravaillé. Et c'est alors que on a repris le pourparlers avec Veridos jusqu'au point que nous allons signer le contrat. Je précise que le contrat n'a toujours pas été signé jusqu'à ce jour. On n'a jamais signé ce contrat. Parce que les ministres ont estimé que ce contrat-là doit suivre la procédure normale. Ok. Monsieur Alain, je reviens également chez vous par rapport à ce contrat Veridos. Donc, à l'heure où nous parlons, Tony Mamba n'a pas encore signé. Oui, je voudrais préciser d'abord que Veridos, c'est un contrat qu'on a commencé à négocier avant la gratuité. Donc, à ce moment-là où il y avait encore la clé de répartition, où les parents payaient encore, c'était normal qu'on demande 5 euros aux enfants de pouvoir payer la carte d'élève. Mais maintenant, dans le contexte de la gratuité, le ministre a estimé qu'il n'était pas opportun de pouvoir signer, il fallait revoir les clauses. Parce que si aujourd'hui, on demande aux enfants de ne pas payer les Minerval, mais on leur demande de payer de l'argent pour avoir la carte, ça remet en cause la gratuité. Alors, maintenant, le travail a été refait. Le ministre a estimé qu'il fallait refaire le travail, les négociations. Elles ont d'abord été faites ici à Kinshasa, avec l'équipe de Veridos. Un compromis a été trouvé. Il était question que le contrat soit signé au niveau de l'Allemagne, mais le ministre a jugé bon qu'il fallait obtenir la non-objection non-objection pour qu'on signe ça. Et ce qui a été fait, je pense que si on le fait, c'est toujours pour l'intérêt de la nation. Ce n'est pas pour l'intérêt privé. S'il avait des intérêts privés, il allait signer le contrat et puis il s'en fout du reste. Mais je pense que si le contrat n'a pas été signé, c'est parce qu'on pense qu'il faut rester dans les normes de la République. Il faut que la République, parce qu'il faut le dire, que ce ne sont pas les Allemands qui amènent de l'argent au Congo pour faire des cartes. Non,
c'est le gouvernement congolais, l'État congolais qui va payer ces cartes-là. Et ça, les gens ne disent pas, parce qu'ils pensent que les Allemands sont venus avec de l'argent frais pour donner, et voilà, on va corrompre les gens. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, c'est l'État congolais qui va prendre en charge au nom de la gratuité. On va terminer l'émission. On me signale qu'on est presque à la 50e minute, mais je m'en voudrais si je ne pose pas cette question. 3 minutes ici, 3 minutes ici, on va terminer. C'est la question des items. Qu'est-ce que le nom d'Augustin Kabuya vient faire là-bas? Première question. Oui. C'est parce que Tony Mouaba est de l'UDPS que vous voulez politiser même l'enseignement. Deuxième question. Oui. Comment expliquer que vous puissiez composer des questions avec erreur et que vous induisez nos enfants en erreur? Vous leur demandez de dire qui est le secrétaire général AI de l'UDPS. Vous parlez d'Augustin Kabuya, alors que Augustin Kabuya est secrétaire général AI de l'UDPS Bart Tshisekedi, parce qu'il y en a quatre. Donc vous là, au ministère de l'enseignement, vous êtes vous-même en erreur et vous amenez nos enfants sur votre chemin là. Merci beaucoup Monsieur Pierrot. C'est une question, je trouve, qui n'a pas de sens. Parce que si on avait posé la question, qui est le secrétaire général des Nations Unies, là vous serez tous d'accord. Non, ça c'est bon qu'on demande qui est le secrétaire général des Nations Unies, qui est le président de quel pays. Mais vous oubliez une chose, que les enfants qui sont à l'école aujourd'hui, c'est eux qui vont remplacer les Tony Mouaba, qui vont remplacer tous les autres ministres. Ils doivent comprendre comment la politique fonctionne. Et je vais vous dire autre chose. Pourquoi on prête l'attention qu'on a d'Augustin Kabuya, alors que même Ensemble pour le changement est là-bas, dans ce questionnaire-là. Avec Moïse Katumbi. On n'en parle pas. Le FCC est là-bas, on n'en parle pas. Mais les gens focalisent leur attention juste sur Augustin Kabuya. Peut-être parce que la personne ne plaît pas certaines personnes qui viennent sur votre plateau. Mais je pense que ça, c'est un faux débat. Vous avez été, j'estime, vous avez fait des, ça c'est bon, vous avez fait des bonnes écoles. Il y a ce que nous appelons le génie en herbe. Nous, on a appris tout ça à l'école. On connaissait qui est le chef de l'État ici, qui est le secrétaire général ici, qui est cela. Pour ça, moi, je trouve pas ça une occasion de polémique. Et encore plus, ces questionnaires sont composés, ce n'est pas à une semaine qu'on les fait. Les préparatifs se font plusieurs mois avant même que Tony Mouaba ne soit ministre. L'erreur. Je vais revenir sur ça. Augustin Kabuya n'est pas secrétaire général de l'UDPS. Je vais revenir. Bon, vos rédacteurs ne connaissent pas ça. Je voudrais revenir sur ça. Là, c'est une politique, c'est une polémique inutile. Comment ça, une polémique inutile? Personne n'a induit la République en erreur. Je voudrais d'abord finir cette question-là, parce qu'on pense que Tony Mouaba qui a demandé à l'inspection de mettre le nom d'Augustin Kabuya et des autres. Quand on compose ce questionnaire-là, il est encore député au Parlement. Il n'a aucune influence sur l'IG, sur l'inspection. Et des deux, on doit évaluer les connaissances de nos enfants. Est-ce que nous devons toujours aller demander qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Tout ça, c'est bien beau, ils connaissent ça. Mais là, on est dans la culture générale. Je ne sais pas, on parle en français. Quand on parle de culture générale, il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui est exclu. Qu'est-ce qui peut être posé et qu'est-ce qui ne peut pas être posé? Parce que pour le pédagogue qui a composé cette question-là, il s'est dit que les enfants doivent connaître aussi la politique de leur pays. C'est très important. Au lieu d'aller connaître qui est le général des Nations Unies, qui est cela, ils doivent d'abord connaître la politique de leur pays. Aujourd'hui, on a l'impression aussi que nos enfants ne s'intéressent pas trop à la politique. Ils doivent comprendre la politique marche comment. Parce que demain, c'est eux qui vont remplacer ceux qui sont dans ce système-là. Alors, par rapport à l'erreur, ça, je dis encore, c'est un faux débat des politiciens qui veulent trouver toujours l'erreur, excusez-moi la tautologie, pour chercher à condamner et dire « Ah, c'est Tony Mouaba qui a encore fait ». Cette question-là, aujourd'hui, moi, quand je sonnais, je savais que l'IDPS, c'est Étienne Tshisekedi. Je n'ai pas besoin d'aller savoir qu'il y a eu d'autres IDPS qui sont non, nés. S'il vous plaît. Posez la question. Vous êtes supposé connaître, c'est un examen. Posez la question à votre enfant. Qui est le président de l'IDPS? Ou bien qui était le président de l'IDPS il y a 10 ans? Il était le président de l'IDPS. Donc, ça, c'est des débats. Excusez-moi de dire des basses classes. On ne peut pas aller vers là pour vouloir
diaboliser les gens, mais aussi. Non, mais vous reconnaissez que c'est une erreur. Mais aussi autre chose. Vous reconnaissez que c'est une erreur. Mais aussi autre chose. Parce qu'Augustin Kabouya n'est pas secrétaire général de l'UDP. Monsieur Perrault. Secrétaire général de l'UDP. Monsieur Perrault. Tu sais qu'elle dit. Une précision que je vais apporter. Cette question-là est à choix multiple. Seul celui qui a composé connaît quelle est la vraie réponse. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est d'aller chercher. Quelle était la vraie réponse? Non, il n'y avait pas une ascension, aucune bonne réponse, il n'y en avait pas. Aucune bonne réponse, il n'y en avait pas. Donc vous avez... J'ai lu l'item, il n'y avait pas une ascension. Vous avez lu ça? Si, il y avait... Si au moins il avait laissé aucune bonne réponse, il aurait été pardonné. C'est un débat... Maître Yannick, même question, on termine. Pourquoi beaucoup de Tchakabouya Kounen Akachaba, il y a été moi là. Et lui, il dit que l'UDP, tout le monde connaissait, mais ça c'est quand même une erreur. Ça, il faut le reconnaître. Kabouya, c'est peut savoir. Toi, c'est peut savoir. Non, mais c'est quand même une personnalité de ces pays. Mais les autres qui sont là, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi vous ne parlez pas d'ensemble? On a parlé de Bahati Loukou. Et ensemble. On a parlé d'ensemble de Ensemble, de Moïse Katumbi. On a parlé de Augustin Matata Pony. On a parlé de. Comment il s'appelle l'autre là? Là, ce n'est pas il n'y a problème. Pas de débat. Non, il n'y a pas de. Non, c'est normal, il faut donc qu'on ensemble parle. Ensemble là-bas. Mais quand on parle d'Augustin Kabouya, ça devient un problème. Donc il faut allumer les feux. On oublie même qu'on a parlé d'ensemble. Non. Vous voyez, pourquoi on veut diaboliser jusqu'au point de je ne sais pas, haïr quelqu'un, même son nom. Il vous a fait quoi, Augustin Kabouya? Je ne suis pas en train de défendre Augustin Kabouya, mais je veux juste comprendre qu'est-ce qu'Augustin Kabouya a fait dans ces pays. C'est quand même quelqu'un qui a. Qui nous a montré comment il est efficace et il a fait ce qu'il a fait. Pourquoi nos enfants, nos élèves ne doivent pas connaître Augustin Kabouya? Donc quand on connaît Moïse, c'est bon. Quand on connaît Arafat, c'est bon. Quand on connaît, je sais pas moi, Abel Naden, c'est bon. Mais quand on parle d'Augustin Kabouya, c'est vraiment un problème où il faudra l'amener à l'abattoir et tout ça. Non. Je crois qu'à un certain moment, vous voyez, maintenant là, on risque même de désorienter nos élèves, nos enfants. À cause de polémiques comme ça. Aujourd'hui, vous voulez donner quelle image d'Augustin Kabouya à ses élèves-là? C'est ça le problème. Donc, c'est un faux débat. C'est une culture générale qui concerne notre pays. Et le rédacteur s'est trompé. Non. C'est vous qui l'avez dit. Kabouya n'est pas secrétaire général de l'UDPS. Non, est secrétaire général de l'UDPS. En tout cas, ça n'arrange que vous. Mais nous connaissons que les messieurs qui ont composé les rédacteurs et dans leur aucun commentaire sur Ensemble, qui est signé thème. Kabouya n'est pas secrétaire général de l'UDPS. Vous n'avez pas vu Ensemble. Pourquoi Nathan ne fait pas un commentaire? Moïse Katumbi dans ce pourquoi tu ne fais pas un commentaire? Vous ne parlez pas de ça, vous ne parlez que de. Voilà, on comprend les intentions. Là, vous souriez quand on parle d'ensemble, là, vous ne dites rien. Quand on parle de Moïse, d'Augustin, ça crée un débat. Donc, il faudra l'amener. Il faut vraiment supprimer. Je parle aussi de l'erreur du rédacteur. Non. Il a dit que Augustin Kabouya était secrétaire général de l'UDPS. Effectivement, il est secrétaire général de l'UDPS. Non, il n'y a pas de débat. La réponse, non. UDPS, c'est le parti de Bruno Tshibala. Il y en a quatre. UDPS, Bruno Tshibala. UDPS, le peuple. Les journalistes ne le posent pas les questions, mais en homme et conscience, tu sais, UDP s'appartient à qui? Ensemble. Ah, tu parles. Ok, c'est bon. On a fini l'émission, ça a été un grand plaisir. On a dépassé la 50e minute, on est allé vers l'heure. Merci, mais revenez de temps en temps, ça fait toujours plaisir d'avoir un œil expert comme ça sur le plateau. Merci à vous d'être venu nous voir. Merci également à vous d'avoir été là. Merci à notre amie Rachel Kitita, conseillère en communication là-bas, qui vous a amené, toute la direction des cabinets qui nous accompagnent également, qui nous ont facilité effectivement de vous avoir. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle que j'ai recevé donc les experts du cabinet du ministre de l'enseignement primaire secondaire. Ils sont venus nous donner les informations concernant leur cabinet, mais aussi répondre dans le cadre d'un droit de réponse à ce qui a été raconté ici par nos amis Roland Issou et Dédé Amoury. Concernant d'ailleurs Roland Issou et Dédé Amoury, je rappelle qu'un communiqué signé par le service de M. Bakonga, je vous l'ai lu, décide donc de prendre distance par rapport à ce qui a été raconté. Bakonga n'y est pour rien, c'est ce que ses services disent. Allez, retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. À demain. Thank you.
Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet, si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.